Madame, monsieur, bonsoir. Merci au pays accueillir nous Cotou pour l'information en créole. Nous démarrons avec ouverture aujourd'hui, circonstance sub-hall dans Saint-Pierre, cette infrastructure-là. Il coûte 6 millions de roupies. Premier ministre, une révine l'Oban Prosé, qui finit faire pour améliorer la vie de l'Oban Mauricien à travers l'île pendant l'inauguration aujourd'hui et qui invite la population à comporter un développement sa gouvernement-là à ancien gouvernement avant 2014. Fête nationale indienne célébrée hier soir par Haute Commission l'Inde en Maurice en présence Premier ministre. Cette année-là, 23 lacos in signé entre nous des pays, signé un lien spécial qui unit à nous. Et aussi dans l'actualité, dans le cadre de campagne unie contre la drogue à ban jeune, Premier ministre in cause l'eau nécessité réhabilité que non condamne ban usager, drug user administrative panel in créé justement pour ça. Et que dans volet judiciaire, bureau attorney general in enclenche une procédure extradition pour Jérémy Décidé, alias Nono, vers La Réunion, les soupçonnés de blanchiment d'argent pour Jean-Hubert Sélérine, alias Franklin. En sport, pour Coupe du Monde féminine FIFA, c'est une jolie lafisse qui prévoit sa dimanche-là avec une finale et qui oppose l'Espagne à l'Angleterre. Et dans les mondes, après 4 mois à la guerre dans le Soudan, près 20 millions d'immunes peuvent faire face à une crise alimentaire selon l'ONU. Direction Saint-Pierre, côte Inena, ouverture audit en taux de circonstances sub-hall. L'IFIN coûte 6 millions roupies. 400 familles, sa village-là, pour une possibilité service à hall-là. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth énumère ban projet réalisé dans la région pour améliorer la qualité de vie de ban habitants et un développement qui étend à chaque coin la République Maurice, y compris Rodrigue et Agalega, c'est le gouvernement. Il invite ban habitants comporte un peu ban développement qu'il fait sous ancien gouvernement avant 2014 à tout ce qu'il fait pendant ban dernière année. Et que ça fait à Stella Sedzou qui pas fin gagne une nouvelle Krishnauti Siroj, sa habitante Petit Verger là, portée manquante depuis jeudi dernier, li pas fin retourné depuis cela moche habituel, l'eau, sentier, montagne, l'épouse, ban opération, la police est toujours en cours pour retrouver li, sa mercredi là, Premier ministre Inzouen, ban mom, sa famille. Et que dans l'autre partie de l'actualité, dans le cadre de fête nationale indienne, Haute Commission indienne de Maurice in organise une réception hier soir dans Eben en présence plusieurs personnalités, parmi président de la République, Prithviraj Singh Rupen, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et ex-madame Kobita Jugnauth. Pendant ce discours, Nandini Singla, au commissaire de l'Inde, India, qui salane la fin historique entre nous des pays, la Grande Péninsule, et n'a hâte de recevoir Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour prochain sommet G20, les fin aussi, dire qui nous des pays pour produire conjointement un satellite pour soutenir observation terrestre et maritime. Haute commission laine dans Eben fin métamorphoser l'espace en l'après-midi pour 76 ans l'indépendance plus grande démocratie dans le monde. Sa cérémonie-là fin déroule en présence plusieurs personnalités, dont Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son madame Kobita Jugnauth. Présence aussi président de la République, Alos qui va une célébration qui marque 75 ans relations diplomatiques entre l'Inde et Maurice prêt pour finir. Nandini Singla fin revine le plaisir l'étape majeure qui finit franchie pendant l'année qui nous passée. L'idée que nous deux pays restent unis pour un lien spécial. For the first time in history, India presided over the G20. And showed how special Mauritius is to India by inviting Mauritius as a special invitee to the G20. So, Excellency, we are looking forward to the honor of receiving you in India very soon for the G20 summit. Au total, fin signe 23 accords entre nous des pays pendant l'année qui nous passait. Parmi, il y a un pour faciliter l'emploi des travailleurs indiens dans Maurice et qu'un lot entre MBC et que Prasar Bharati dans le domaine audiovisuel. En plus de ça, Nandini Singla dit qu'il design un premier centre excellence pour Ayurveda dans Côte d'Or finalisé. En ce qui concerne le commerce, une nouvelle exportation vers l'Inde connaît une grande augmentation après l'introduction SECPA en 2021.
Mauritian exports under our preferential trade agreement, SECPA, grew from zero Mauritian exports in the year 2021, when SECPA was introduced, to $1 million in 2022, and an additional $2 million in just the first 6 months of this year, amounting to a total of $3 million of Mauritian exports to India already under SECPA. We will also be launching the Indian Rupee Card and the Unified Payment Interface, UPI system, shortly in Mauritius. This will enable Mauritian and Indian tourists to make debit card, credit card payments using their local Mauritian and Indian cards without having to exchange money when they travel. And with India's Chandrayaan moon mission in the news, I am thrilled to share with you that we will also be jointly producing an Indo-Mauritian satellite for Mauritius to support Earth and maritime observation, weather forecasting and capacity building. Dans Ibène hier, l'ambiance est festive pour marquer fête nationale l'Inde. Si aussi installe la banne étale pour mettre en avant ban bienfait dans la santé Ayurveda et que yoga entre autres. Alors ce qui ban relation entre l'Inde et Maurice peut continuer renforcée. La haute commission finit de livrer 1200 cotes Overseas Citizens of India cette année-là. Premier ministre, il continue ce série rencontre ban différents composants population dans le cadre de lancement campagne nationale unie contre la drogue. Hier, il finit une séance interactive avec ban élèves collège Dr Maurice Curé dans Vakwa, ban réflexion qui finit ressortie pour prendre en compte pour ban décideurs politiques selon Safe Gouvernement. Premier ministre, il nous s'y cause l'impotence réhabilitation ban usagers de drogue, d'où mis sur pied un Drug User Administrative Panel. Répondre à cette question apporte un éclaircissement, mais surtout écoute ce Premier ministre attentif à ce qui ban s'élève, collège Dr Maurice Curé, ti et non pour dire la drogue, ce ban conséquence et ban solution éventuelle. Si nous l'arrivons à connaître, qui ni il peut vendre, ni il peut faire business. Mais ça nous a dénoncé avec la police. Et non, aussi la cigarette. Ah, quand ces autres moins militants anti-tabac à 200%. Que la famille, pour béquer la base enfant, que tu parles de consommer la drogue. Pas même pas la drogue qui commence avec un cigarette, avec un alcool. Ce police à là si elles ont fait du normal. Un autre peur aussi, c'est l'influence camarade. Parce que pour être accepté par un camarade, il a sa tendance à adopter même l'habitude, faire pareil. Et puis peut-être le plus facile, si un enfant qui peut vivre dans le milieu côté de la consommation de la drogue, ou être plus tenté. Ben, la raison principale qui a poussé un zen pour prendre la drogue, c'est le problème familial et l'environnement. Quand il y a un problème comme une violence dans la case, ben, les enfants sont stressés et ils pensent qu'ils ont un chemin sorti. Pareil, si ils grandissent dans l'environnement que la drogue est normalisée, il y a un plus grand risque de ce fléau-là. Il y a beaucoup de solutions qu'on a pensées et qu'on a parlé avec le Premier ministre et je crois que ces points-là vont être quelque chose qu'il va prendre en considération dans le futur. Donc moi j'ai proposé au Premier ministre que cette initiative contre la drogue soit aussi faite dans les écoles primaires. Il nous a dit que des resource persons travaillent déjà dans les écoles primaires pour le dire à propos de ce fléau de la drogue. Sa session interactive-là, il fait dans le cadre de campagne nationale unie contre la drogue, qui est lancée à l'initiative Bureau Premier ministre. Pravin Kumar Jagnauth estime que Banzen, c'est une cible privilégiée pour les trafiquants de la drogue, dépose cette vulnérabilité. Mon laisse tout être à l'écoute de Banzen qui, comme on était ici à l'école, vous connaissez qui vous êtes pensé, qui vous êtes trouvé, qui vous êtes témoigné. Je me demande à ce que la ministre ou monsieur le recteur pour faire le nécessaire pour nous capables de collecter tout ça, réflexion, constat qui vous êtes fait là, pour permettre nous
comme un décideur politique pour guetter quelle manière nous pouvons capables d'assister et quelle manière nous pouvons capables mieux aborder ce problème-là. Nous avons une vision, nous les qui nous lèguent à Zot, un héritage qui sont capables d'être fiers demain quand Zot peut prendre la barre. Zot est une cible privilégiée pour les trafiquants. Parce que Zot jeunes, Zot vulnérables. Donc, il interpelle nous tous. Un des monde qui consomme. En même temps, bien sûr, il commet une offense, d'après la loi, mais il y a une victime aussi. Nous faisons sens la loi, quand nous pouvons examiner le cas d'un consommateur et capable de donner un sens pour lui choisir s'il voulait réhabiliter. Il a besoin de suivre un traitement. Chef gouvernement, Diali Hénin a une confiance totale dans la jeunesse mauricienne pour sa contribution dans le développement pays. Et nous revenons l'ouverture aux auditeurs dans Saint-Pierre de circonstances sub-hall, une infrastructure qui fin coûte 6 millions de roupies, 400 familles, sa villaza, pour une possibilité service à Ola. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth énumère ban projet réalisé dans la région pour améliorer la qualité la vie de ban habitants, un développement qui étonne à chaque coin la République Maurice, y compris à Rodrigue et à Agalega. Chef gouvernement invite les habitants comport un pays ban développement qui fin faire sous ancien gouvernement avant 2014 à tous ceux qui fin faire pendant ban dernière année. M'écoute-li. Pas juste Saint-Pierre, dans le partout dans la circonscription, mais dans la place que nous trouvons, nous avons besoin de nous l'emprunte. Hein? Partout, la route, ban pont. Qui peut construire un flyover, un bypass, un drain. Au fait, partout. Pas juste dans le numéro 8, qui nous vient un sentier. Le pays en entier, nos républiques qui nous vient un sentier. Ça, c'est une preuve qui, quand nous causer, quand nous prenons l'engagement avec les autres, nous disons aux autres, nous pouvons venir, nous pouvons faire nous confiance, nous pouvons travailler, nous pouvons amener le développement. Et nous gardons parole. Je ne vais pas dire qui nous peut planifier pour Côte d'Or. Il y a un développement sans précédent à l'avenir. Là aussi, ils ont trouvé une vision qui nous gouvernement est là pour tout le pays. Moti mentionne le commencement de sa zone à affaire, c'était la 7 jours qui pas fin gagne nouvelle, Krishna Oti Siroj, sa habitante Petit Verger là, poté manquant depuis jeudi dernier, li pas fin retourné depuis la moche habituelle, le sentier montant et le pouce, ben opération la police toujours en cours pour retrouver li, sa mercredi là, premier ministre in Zouen Manmam, sa famille. Depuis jeudi dernier, ban policier paierait les autres pour ban opération recherche le montant et le pouce pour retrouver Krishnauti Siroj. Ban recherche qui pas fin de non ni escalaire. Sa habitante Saint-Pierre-là, qui en a 61 ans, lui reste introuvable depuis Astella 7 jours. Sa mercredi là, premier ministre fin joindre sa famille et fin assurer les autres de ce soutien dans sa ban moment difficile là. Bien difficile pour vivre sans famille, beaucoup difficile. Un jour, ils vont aller bien, ils disent, pas encore tout. Et 50 de moi, c'est pas le même faire tout ça. Pour ça, je remercie le gouvernement, je remercie la police beaucoup, infiniment. Mais j'espère que mon gars, ils sont sauf. Souvent, il y a les 4h, 5h, mais il arrive, c'était pas tout. Je ne sais pas tout. Enfin, toi, de moi, à partir de 8h, nous commençons à dire aux montagnes, hélicoptères, GPM, mobile force, drones, tout. Pas tout, ils disent, pas tout. Sous sa disparition, Krishnauti Siroj met un survêtement jaune et noir, comme ici sa photo là qui peut circuler pour aider à retrouver lui.
Dans le volet judiciaire, Biro attorney général enclenche une procédure d'extradition pour Jérémy Décidé, alias Nono, vers la Réunion. Une information qui finit communiquée par magistrate Chitra Soubagrapilé hier pendant comparution. Sa habitant Rivière Nola dans Bélen Riman Côte. Nono t'y a arrêté le 15 février pour l'ICAC. Elle est soupçonnée de blanchiment d'argent pour Jean-Hubert Célérine, alias Franklin. Le 2 juillet 2021, Franklin et Nono t'y condamné dans la Réunion à 7 ans de prison, saken, pour autre implication dans un trafic de cannabis destiné à Maurice. Nous, l'émission Focus, sa semaine-là, est consacrée à sécurité des personnes âgées, l'eau, la route, la case ou près que de guichet, la banque ou encore dans le transport public. Comment pour renforcer justement la sécurité nous ban aînés, c'est autant de points qui pour aborder pour nous ban inviter pendant cette émission-là. L'eau MBCN après journal télévisé ou ban question l'eau 5944-6900. Et que la routine fait une nouvelle victime hier dans Pointe-au-Piment, une collision violente entre des motocyclettes qui finit coûte la vie à Dédi Moun qui en a 25 et 40 ans. Une victime s'est accidentée à une mot sur le coup, alors que l'autre victime est décédée en route vers l'hôpital. Une enquête est commencée par la police triolée pour une circonstance. Ça, accident-là, accident Zodi, donc porte à 97, non de décès, l'on nous la route depuis commencement l'année. Et qu'un autre accident qui est capable de vivre au drame, le tout inatterri à l'oreille métro d'Ovaqua, quand il finit une sortie de route, était avenue Sivananda, ça finit arrivé vers 7h30 à soir. Test alcoolémie qui finit faire l'eau conductrice, savait qu'il a, qui est na la trentaine, qui positif, elle y a 110 mg l'alcool dans ce disant, sa habitante Tamarella en détention dans Ovaqua Detention Center. C'est un monument emblématique qui finit accueillir beaucoup d'événements religieux importants. Marie-Reine de la Paix, l'Ipo abrite encore une fois un événement de taille, sa dimanche-là, ordination Monseigneur Jean-Michel Durone. L'occasion pour nous révéler l'histoire sa place-là, Marie-Reine de la Paix qui veille sur la capitale depuis bientôt 83 ans. Libé et l'Opo, lui, sa dimanche-là, Marie-Reine de la Paix, pour une nouvelle fois témoin un événement majeur et historique. Ici, l'Oban Mars, Monseigneur Jean-Michel Durone, pour dire oui et qu'il peut ordonner évêque de Port-Louis. Ça l'année là, ça fait 83 ans que ce monument là, c'est emblématique, fut construit ici. L'architecte de renom, Max Boulet, fut appelé à l'époque par l'évêché pour dessiner un plan, projet qui tient à cœur Monseigneur Lynn. Un 15 août 1940, d'être dévoilé au public. Monseigneur Lynn, quand il était évêque, il a été évêque pendant au moins 30 ans à Maurice, il a décidé, quand la guerre a commencé, de demander à la Vierge Marie de préserver l'île Maurice, qui était un pays qui était très exposé à ce moment-là, entre l'Europe et l'Asie, de préserver l'île Maurice de la guerre. Et en 1940, il a fait venir à l'île Maurice une statue de la Vierge, haute de 3 mètres de haut et pesant très lourd. En 1942, c'est l'année où il y a eu le plus de pèlerinages, où tous les Mauriciens, venant de toutes les régions du pays, venaient à tour de rôle prier la Vierge. Le pape Jean-Paul II, lors de sa visite dans Maurice, s'y priait ici. Jean-Paul II, quand il est venu à l'île Maurice en 1989, il l'a fait avec une affection spéciale, parce qu'il savait que ce sanctuaire avait été construit en réparation d'un sanctuaire marial qui avait été démoli en Pologne pendant la guerre mondiale. Donc il venait prier et remercier l'île Maurice d'avoir eu cette attention très spéciale. En septembre 2019, le pape François s'est réuni avec les Mauriciens dans Marie-Reine de la Paix. Avant la pandémie de COVID-19, saluer là ses témoins dans une grande cérémonie annuelle comme à la messe des malades. Ce dimanche-là, Marie-Reine de la Paix pour écrire un nouveau page sur l'histoire avec l'ordination du nouvel évêque.
En sport, affiche grande finale Coupe du monde féminine FIFA, l'Ipoen duel Espagne-Angleterre, match fort qui pour faire sa dimanche like ou capable suivre en direct l'OMBC. Et que l'actualité dans les monastères, là, 4 mois après commencement de la guerre dans Soudan, capitale Khartoum, l'est dévastée, ban pénurie massif de ban produits, première nécessité, comme à manger et médecine, puis aggrave sa crise humanitaire là, plus qui 20 millions d'habitants, l'eau 48, puis faire face à une situation de crise alimentaire selon l'ONU. Nous guette nouvelle l'étang à Stella, situation générale, un divan peut souffler l'eau nous région. Puis dans un l'étang, on dit à soi, demain matin, sauf pour un petit appli occasionnel à l'est. Divan peut souffler 10 à 20 km par heure, pour affaiblir à soi, puis un divan léger, demain, la mer pour agiter avec une vague environ 2 mètres, coucher du soleil, fin prévoit 17h57 et demain matin, lever du soleil, fin prévoit 6h30. C'est la fin de sa zone à l'encre. Merci au fin suivi. Excellente soirée avec l'MBC.